introduction, je le signale, en disant une révolution, c'est la confrontation des droits et des intérêts, la guerre des statuts et des positions. Elle s'achève toujours par une inscription au grand compte des pertes et des profits, les idéaux, les prescriptions et les ordres moraux n'y ont pas cours en période révolutionnaire. Et ça, je cite un auteur, spécialiste des révolutions, en période révolutionnaire, les théories normatives, l'état de droit, la liberté constitutionnelle, le pluralisme, l'éthique de la discussion et la philosophie des droits humains sont abandonnées, bafouées et enterrées comme autant de vestiges inutiles d'un âge révolutionnaire.